bienvenue dans Juju TV. Aujourd'hui, on allume la caméra dans la rue. Rendez-vous au Point Bar, au 31 rue des Batignolles, dans le 17e arrondissement. J'ai rendez-vous avec l'ami Jean-Claude Dreyfus. Émission au top aujourd'hui. Le temps de traverser la rue et on commence l'émission. Monsieur, comment ça va, Juju? Est-ce que je suis un peu en retard? Ben oui, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, je allez, je te fais un petit bisou. Allez, j'ai toujours quelque chose à penser, à faire, des gens à qui je dois parler. Je vois une super belle donc, coque ici. Ah oui, c'est mon téléphone. C'est avec un petit cochon, évidemment, c'est normal. Hein. C'est normal. Ah oui. Alors, présentation, pourquoi est-ce que je te retrouve ici? Pourquoi? Parce que c'est mon quartier, c'est les Batignolles. Ouais, on est aux Batignolles, exactement. C'est les Batignolles, alors ici, c'est mon. C'est mon Havre de paix, ça va être le Point Bar, c'est au coin de rue, il y a plein de gens qui passent, qui bougent et tout, donc voilà, c'est ma cantine, c'est là où je fais les rendez-vous, puisqu'on se voit là. On y est, on voilà, est là, voilà, exactement. On est là tous les deux, et c'est un café sympathique, voilà, donc confortable, on mange bien, tout va bien, c'est pas loin de chez moi. Pareil que mon théâtre d'ailleurs. Le théâtre c'est pas mon théâtre, hein, c'est le théâtre où je joue. Le théâtre où tu joues? Oui, c'est, je vais te montrer l'affiche, attends. Ah, voilà mon citron pressé, tiens. Allez-y, jeune homme, allez-y. Voilà, tiens, regarde l'affiche, tu vois, c'est ça. C'est De Vos Dreyfus, Dommage sans interdit. Le rôle de De Vos. Je joue des textes. Des textes de De Vos, que j'ai choisis. Qui sont mis en scène par Christophe Correa. D'accord. Et je suis avec un pianiste qui s'appelle Thomas Février, que je martyrise comme le faisait De Vos. D'accord, voilà. Tout simplement. Mais lui, il martyrise aussi un peu de temps. Alors, ça se passe du 28 février. Et c'est février, au Petit Séverso. 28 février au 17 avril. Non, okay. Au 27 avril. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, t'as dit 17. Ah, peut-être. On vérifiera au montage. C'est je me suis 27, 27 avril. Et alors, mes amis, c'est à 20h. C'est à 20h. Parce qu'on a créé ce spectacle à Avignon il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu comme à Avignon. Ici, il y a un autre spectacle juste après, à 21h30. Donc, moi, ça dure 1h15. D'accord. Et vraiment, j'ai mis un réveil. Tellement que des fois, on traîne, parce que public, quand le public est bien et est talentueux, des fois, on traîne un peu. Alors, je leur dis à la fin, vous savez, je fais 2 saluts, par exemple, tu vois. Et s'ils insistent pour en faire un 3e, je leur dis. Je prends ça comme si vous faisiez une standing ovation pour 20 minutes. Et là, je peux pas parce qu'il y a un spectacle après, ah oui, donc j'ai obligé de partir. Pas, c'est sûr. Mais je le prends comme si c'était 20 minutes de standing ovation. Et voilà, ils sont contents, et puis moi aussi. Et évidemment, je quitte les lieux. Et après, il y a un autre spectacle. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut arriver à 8h pile. Okay. Il faut arriver avant même, parce que le spectacle commence à 8h. Oui. Hein, et c'est pas grand, il y a 115 places, donc c'est souvent plein. Mais enfin, quand même, il y a des jours, le début de semaine, venez le début de semaine, il y a moins de monde. Ok, donc c'est quoi? C'est du tous les jours? C'est du mardi au samedi. Okay, c'est fermé dimanche et lundi. Alors pourquoi je vois sur la petite affiche là, Dommage sans interdit? Dommage sans interdit parce que c'est un vrai hommage, des apostrophes. Hein. Oui. Un véritable hommage à Raymond Devos que je fais, et sans interdit parce que tout m'est permis. D'ailleurs, c'est assez amusant quand la jeune fille. Au début du spectacle, avant que ça commence, fait l'annonce pour les téléphones, oui. pour que les gens ferment leur téléphone, et puis pour qu'ils ne fassent pas de photos. Alors je dis, oh ben c'est dommage, c'est vraiment dommage sans interdit, mais là tout est interdit, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça fait rire les gens, déjà d'emblée, avant que j'ai commencé. Ok. Eh bien écoute, présentation faite et promo en même temps. Ouais, bah oui. Dis top jingle et puis on enchaîne avec la séquence. Un petit quoi tu veux dire? Tu dis top jingle et on enchaîne avec la séquence d'après. Ah bah alors top jingle, hein. Et voilà, jingle, c'est moi qui ai le truc.